le cloud est un élément essentiel pour développer des jeux vidéo. Tout d'abord, ce cours porte sur PlayFab, mais qu'est-ce que PlayFab ? PlayFab est un ensemble de services vous permettant de connecter facilement votre jeu avec le cloud. PlayFab est totalement gratuit et fait maintenant partie de la famille Microsoft. L'utilisation de PlayFab repose sur un système API. Alors que sont les API ? C'est tout simplement Application Programming Interface. On peut traduire ça par interface d'application en français. Alors qu'est-ce que va vous permettre l'utilisation de ces API ? Bah, tout simplement de gérer facilement l'authentification de vos joueurs, mais aussi les données comme des scores ou des points d'expérience, tout ce que vous désirez utiliser dans vos jeux. Vous allez pouvoir aussi très facilement gérer des leaderboards, utiliser de la monnaie virtuelle, ce qu'on appelle la virtual currency, et vous allez pouvoir même diffuser des informations depuis votre tableau de bord PlayFab vers votre jeu Unity. Ensuite, nous intégrerons les services ADS d'Unity afin de monétiser notre jeu grâce à la publicité. Vous allez voir que les services ADS d'Unity sont très simples à mettre en œuvre et utilisés conjointement à PlayFab vont être une arme redoutable. Avec ce cours, vous allez apprendre les fonctionnalités essentielles de PlayFab. Le but de ce cours a pour objectif de vous apprendre à utiliser toutes les API clients de PlayFab en utilisant la documentation officielle. En effet, à l'avenir, avec votre projet, vous aurez certainement besoin de telle ou telle fonctionnalité et à la fin de ce cours, vous serez à même d'utiliser les API que vous désirez afin d'arriver à votre objectif. Pour suivre ce cours, il vous faut quelques notions de base avec Unity et le C#. Mais vous allez très vite vous rendre compte que l'utilisation de PlayFab avec Unity est relativement simple à implémenter. Alors, si vous voulez réaliser un jeu connecté au cloud et monétiser votre jeu et générer des revenus avec le service ADS Unity, rejoignez-moi tout de suite dans la première partie de ce cours.